Yo tout le monde, c'est Starbio, j'espère que vous êtes tous très bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo TP sur une nouvelle map avec plein de chantiers dessus. J'ai des très beaux modes à vous présenter. On est parti les amis, juste après l'intro. Alors les amis, du coup on est sur la map de Agrifredo. Bien sûr tous les mods seront sur mon site. Elle est vraiment super bien, c'est une nouvelle map qu'il a faite. Déjà on est donc là, on est dans l'atelier où c'est qu'il y a tout le matériel. C'est vraiment super bien, on peut allumer la lumière et tout. Enfin il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc déjà, alors on a un chantier à vous faire. On a beaucoup de mods très sympas à vous présenter déjà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à apporter le matos déjà. Je vais vous présenter tout le matos qu'il y a. Donc alors on a un petit camion avec une petite avec la Caspo Klein bien sûr. Alors, tous les mods bien sûr sont tous sur le site. Hein. Si vous aimez, vous irez voir tout ça. Donc là les amis, du coup on a une pelle, c'est une Atlas 160W. Que j'ai vu qu'elle est sortie il y a quelques jours, mais je connaissais pas du tout la marque. Je sais pas si tu connaissais Zero, mais moi je connaissais pas. Non, je connais, c'est pas du tout en vrai non plus. Non. Bah ouais, donc là on a un godet du coup qui se pivote. Donc on verra si on arrive à l'utiliser parce que c'est un peu compliqué. Je préfère la pelle normale avec le godet curage très très simple. Donc on a ça, on a un petit massé ici. Bon, malheureusement il est privé, mais du coup c'est Axel qui me l'a passé, l'équipe de Axel Mooding. Donc merci à lui. Une benne TP, pareil, celle-là elle est privée, mais du coup c'est celle qu'on a. Enfin, vous l'avez déjà en mode, mais juste que celle-là elle a été modifiée, elle a été salie. Donc on a ça, donc là on est du coup dans le gros concession. On a du matos ici, on a ce petit mode là pour pousser le tas, vous allez voir ce qu'on va faire, on a un tas à pousser. Donc on a ça, on a un petit chargeur avec des petites palettes qu'on va peut-être amener aussi si on peut. On a donc un petit Valtra ici avec une benne, donc c'est la benne Sodimac, on va y charger du gravier. Donc alors, je vais vous montrer le chantier. Donc le chantier, il est les amis ici. On a ce camion là qui est public, il est public. Tous les mods là que vous voyez sont publics, ceux qui sont affichés à l'écran. Donc on a du coup ce camion là, en vrai je le trouve super beau, il est vraiment super stylé. Donc on peut mettre en plusieurs avec le truc, enfin les trucs devant là, les trucs blancs et rouges là, on peut le changer. Donc j'ai chargé quelques petites palettes ici, on peut ouvrir les portes ici. Alors ça c'est une... Du coup Zero, tu peux commencer, Wanika, t'as qu'à commencer. Ah bah je suis parti là. Donc là en fait on peut ouvrir, vous allez voir, en fait c'est une cabane de chantier où c'est que quand tu la décroches en fait vous pouvez, en fait elle s'ouvre et bah en fait c'est comme un petit mobilhome. Bonjour monsieur. C'est comme un petit mobilhome en fait, c'est que tu travailles dedans et tout, t'as des réunions avec tes patrons et tout. Donc voilà, en vrai c'est grave stylé. Donc c'est SD, attends c'est quoi là, c'est SDM je crois, attends, c'est qui sont là, ceux qui font ça. C'est la SDM modding, ça va ça. Donc c'est ceux qui font la map, enfin la map, qui font pas mal de mods et tout, ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, donc ces petits mods là, donc là alors on est sur le chantier. Alors ce qu'on va faire, on va enlever donc déjà toute la terre qui est ici, on va la charger dans la benne. Donc on a un godet, bon le godet de 10 000, puisqu'on sait jamais si ça prend trop de temps, on fera avec le godet de 10 000. Donc on a donc ça, moi je vais du coup amener, en fait il y a énormément de chantiers sur la map. La map est pas hyper bien détaillée, mais les chantiers, enfin genre le décor vraiment global n'est pas foufou, mais le décor pour les chantiers c'est super bien fait, c'est super propre. Donc en vrai je kiffe tellement. Donc allez c'est parti, on comprend le camion. Donc ce camion je sais pas du tout s'il est public, hein, je n'ai aucune idée. Attends, je vais juste débrancher mon volant parce que j'ai retour de force, voilà. Donc je vais apporter, ah merde effectivement ça bloque. Ça bloque, je suis coincé. Allez donc on est parti, je vais apporter ça. Donc du coup à Zero tu peux commencer si tu vas charger avec le godet, ouais. C'est pas le, ouais. Ben, le godet c'est pas le but, on va essayer de quand même faire avec ça avec la pelle, je pense. On va essayer de faire ça. Donc ce qu'on va faire, on va charger donc du coup la terre, on va la décharger du coup sur un deuxième chantier. Si vous aimez les amis, vraiment vous me faites savoir en cliquant sur le petit pouce bleu. Et je referai d'autres vidéos vraiment, parce qu'il y a beaucoup de chantiers, je vais vous les montrer. Parce que du coup qu'on va aller vider la benne de terre, je vais vous montrer, on va passer dans le centre-ville et tout, il y a énormément de chantiers. Par contre merde, elle s'est pété la gueule ma machine. Attends, je vais essayer de... Attends, ouais, ça veut, t'as raison, ça va énormément vite, un godet de 10 000, donc je pense qu'on en fait. Non, mais remplis rempli pas un godet de 10 000 parce que je l'ai pris pour aller si jamais il en mettait trop de temps, quoi. Mais sinon, tu fais avec, avec l'appel que je t'amène. Ce que je vais faire, c'est qu'on va, je vais apporter des plots. Je vais essayer d'apporter des petits plots pour délimiter la zone. Alors, par contre, je vais attendre 2 secondes. On va se mettre là. Vous savez que je pourrais décharger ça parce que là, il y a... Bon, on va bloquer la route, hein, c'est pas très grave, les amis. La route sera bloquée, donc là, on ouvre ça. Donc, le plateau, je l'ai sur mon site. Bien sûr, le site c'est starview.fr, vous connaissez, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, merci beaucoup à tous les modeurs qui font des mods, parce qu'en vrai, ces mods-là, c'est pareil, c'est grave stylé d'avoir des mods comme ça. Et puis du coup, merci à eux ceux qui font. Mais en vrai, c'est cool, regardez, on a un petit truc de chantier. En vrai, ça devient hyper réaliste de faire du TP, hein, ça. Je rappelle au début de farming, le TP. Ah oui, d'accord, t'as enlevé tout ça. Le TP, il n'y avait pas. J'en fais quoi de la PL Atlas ou Atlas, ça va? Bah écoute, on va voir si on a besoin. Mais en vrai, je l'ai juste, c'était au moins pour la montrer. Attends, je vais voir si c'est compliqué ou pas de charger. Parce qu'en vrai, j'ai pris un godet de curage, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée, j'ai pris celui-là. Il fait ouais, du coup. Si. Ok, bah du coup, la benne, je pense que tu peux la reculer dans l'allée, non? Recule la benne dans l'allée, je pense que ça va ici, être bien. Là ouais, ouais, tu la recules. Okay, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement vous me préparer. Alors attends, donc ça, on a le petit truc de chantier qui est vraiment sympa, pareil, hein, tout sur le site. Donc ça, en fait, c'est les palettes. Est-ce qu'on les décharge? On peut ouvrir les portes avec le pavé numérique. Et en vrai, c'est trop bien, c'est grave stylé. Bon, je vais les décharger à la main parce que sinon, ça va être un peu chiant de ramener la machine. Attends, on va juste la mettre là. Ah merde, ah non, attends, d'accord, j'ai les sangles en fait, mais elles accrochent rien du tout. C'est bon ou pas là?
Magnifique. Alors ça c'est du coup c'est des palettes. Donc ça c'est des palettes de ciment et ça c'est des palettes de d'isolation. Ça c'est de l'isolant. Et en vrai il faudrait essayer de faire un truc stylé, genre en mode voilà, les gens ils veulent du coup enfin ils ont une maison, elle était abandonnée, il y avait de la terre et tout. Bref, du coup ils enlèvent la terre. Et à la place du coup on va faire une petite allée en gravier. Donc l'allée en gravier justement les amis, on va l'étaler grâce à ce petit mode qui est ici. Voilà, donc c'est ça, c'est un mode très sympa. Faut juste enlever les roues. Donc ce mode là, bah tu sais quoi, je vais l'amener. Je vais l'amener, en fait, donc on va charger du gravier qui est juste derrière. Le gravier, on va l'amener, on va essayer de l'étaler dans l'allée, en fait. Enfin, on va faire un gros taille, avec ça, on va le pousser. Et logiquement, ça devrait faire un truc stylé. Je sais pas si ça marche ou non, je pense que oui. Mais voilà, bien sûr. Donc ça, c'est un mode de 76 max, si je me trompe pas. Je sais pas si tu sais, Zero, je sais pas du tout. Je crois qu'il est sorti, genre, aujourd'hui lequel, ou hier. Le repoustal ou quoi? Ouais, le repoustal, ouais. Ah non, 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 c'est pas mode 76 max, ça. Ok, bon, bah, c'est bon. Un mode Agri Movie, je crois, il est sorti il y a 3 mois, moi. Sérieux, tant que ça? Non, mais ça, c'est un nouveau, hein. Avec les roues, c'est un nouveau, ah, je crois. Bah, je sais pas alors. Bon, bref, en tout cas, merci aux modeurs de faire les modes, tout simplement. Donc, alors, on va. Je vous montre. Donc, là, on a un chantier. Bah, il est très connu ce chantier. C'est un coin, voilà, vous enlevez la terre et tout. Mais il y a d'autres chantiers. Il y a des chantiers souterrains dans un tunnel. Vous allez voir, je vais vous montrer quand on ira vider la benne. C'est grave. D'ailleurs, la benne se remplit vite ou pas? La mienne, je suis à moitié à peu près. Ouais, à bah moitié. Ok, bon, parfait. Alors, donc ça, j'ai juste enlevé le truc ici. Je vais ramener des plots. On va essayer de faire un. Bon, le chantier sera fini, on va ramener les plots à la fin. Donc ça, je vais essayer de le garer derrière. Est-ce que vous pensez que je peux me. Pour pire, je vais le garer là. Attendez, on va juste se mettre ici. Hop, 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 hop. Aïe! Bravo, Starvio, tu ne sais pas conduire. Là, j'aime bien tous les. Je suis sûr, tous les puristes qui sont en mode hyper réaliste. C'est pas comme ça que ça se fait, Starvio, c'est pas bien. Je sais qu'il y en a qui sont. Bah, je sais qu'il y en a qui font du métier, donc ils doivent rigoler quand je joue, mais bon. J'essaie de faire un truc que. Bah, en vrai, je trouve ça quand même stylé de montrer tout ça. Alors, oui, donc ce plot là, il est pas très en place. Alors, on va tout simplement. Donc, alors, il y a un bug, donc Zero ne les voit pas les plots. Enfin, il les voit, mais ouais, quand je les déplace à la main, il les voit pas. Ça, ça a toujours été. Par contre, c'est en où? C'est dans décoration, je crois. Pas du tout. C'est dans. Ils sont où les plots par contre, Zero? Je sais plus dans quoi c'est. Les plots, attends. Non, dans palette, non plus. Dans balle, non plus. Je crois que c'est dans divers. Oui, dans divers. Dans divers, ouais, c'est dans divers. Non, alors, divers, non, non plus. Si, si, c'est là. Alors, attends, je vais. Je vais les ramener avec le camion, ce sera plus réaliste. On va les mettre concession, genre. Genre ici, voilà. On va essayer de passer quelques petits plots. Bim, bim, bim. On va placer aussi des gros plots pour. Genre, je sais pas, on sait jamais. Et après cela, donc ça on va aller les chercher dans le camion. Et bon, Zero les verra pas parce que ça sera transparent pour lui. Mais c'est pas grave, donc on referme tout ça les amis. Par contre ce camion je le trouve vraiment stylé, hein. Vraiment il est super beau. Et c'est cool qu'ils l'ont sorti parce que bah, c'est cool en fait. Donc en fait on peut mettre plusieurs réglages. En fait il y a, donc soit y a, là on a mis le, j'ai mis le réglage d'avoir un balai et une pelle. Il y a le réglage d'avoir les autocollants devant, c'est rouge et blanc. Ouais. Et du coup je l'ai pris comme ça mais il est pas mal du tout. Bah du coup dès que la benne est pleine, Zero tu me dis. Ou sinon tu iras la vider, moi j'irai chercher des graviers en attendant. Non non, dès que j'irai vider la benne, tu iras chercher des graviers. Comme ça je montrerai comment il a marché. Parce que je suis pas un pro du TP, ça va être un peu long. Oui mais prends un changeage sinon si c'est pas trop si c'est trop long mais voilà. Après il y a des trucs un peu agricoles dans la map. Bon c'est pas le but hein. Mais il y a un peu de trucs agricoles ici. Il y a un radar, je vais me faire flasher, c'est obligé. Allez flash. Attends c'est les nouveaux radars en plus ça. Ah c'est les nouveaux radars. Les bâtards, Agrippa, il a poussé les bons radars. Ils me connaissent pour ça, et oui. Allez, ouvre-toi. On est bon, on va charger ça. Fun radio. Oh là là, fun radio. Non, bien sûr, très bonne radio. Alors, je vais charger ça. Et en vrai, il y a vraiment énormément de choses. Hein, c'est vraiment cool. Au pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recharger peut-être des palettes d'isolant. Et ceux qui ont des idées de concept, dans tous les cas, je vais vous montrer. Si vous aimez, vous cliquez sur le pouce bleu. Et c'est le seul moyen de savoir, ou même en commentaire, s'il y a des choses. Vraiment, s'il y a des choses qui ne se font pas. Genre, bon, je pense que tout ce que je fais ne se fait pas correctement. Mais s'il y a des choses vraiment qui sont à revoir, ou genre, ça, c'est pas comme ça, ça veut tout. Dites-le moi vraiment en commentaire. Moi, j'écoute vos critiques. Donc, c'est pas des. Oh connard, t'es un code. C'est pas jouer au TP. Merde. C'est pas faire du TP, voilà, tant que c'est pas ça, ça va. Alors, j'ai pris des plots, des grands, des petits. On va tout charger dans le camion. Et on verra, je vais essayer de les amener. Bon du coup, Zero ne les verra pas, hein. Ça c'est pas grave. Parce qu'au pire, Zero, les plots, il les démonte. En tout cas, qu'il y ait des plots ou non, il passe. C'est ça. C'est pas grave. Attends, on est bon ou pas? Contre, ah oui, j'avoue que bon, on va les mettre comme ça. On va charger les petits plots. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, les amis, que la semaine prochaine, du coup, donc il y a lundi, nouvelle série. Et du coup, mercredi, nouvelle série en live, logiquement, si tout se passe bien. Donc j'espère que ça va vous plaire, cette nouvelle série sur la chaîne. Et si le TP vous plaît, puisque du coup, on a des maps très sympas, on a plusieurs activités à faire. Donc si le TP ça vous plaît, et bien je referai peut-être tous les jeudis ou tous les. Bah, en vrai, tous les jeudis, j'aime bien faire un petit peu de TP au paysagiste. Donc si ça vous plaît, vous me dites et on essaiera de voir ça. Et puis j'essaierai au pire de voir avec des modeurs, s'il y a des modeurs qui ont fait des trucs privés, même si c'est privé, tu vois. Ça peut quand même être sympa de vous les présenter et voir ce qu'on peut faire. Il y a des trucs à faire sur Farming, c'est fou. Hein. Vraiment, il y a des trucs super bien à faire. Donc voilà. Bon, je pense qu'il y a tout. Hein. La benne, hein.
Vas-y, ben j'arrive alors. Par contre, attends, là ça tremblote un peu. J'espère que ça va pas tomber. J'espère que les portes sont pas transparentes, hein, parce que sinon, non, c'est bon. Ok. Ouais, ça bouge. Bon, allez, on est parti. Est-ce que je charge mes palettes ici? Allez, je vais prendre une palette. Je crois que ça va pas passer. Non, ça passera pas. Bon, j'ai pris un petit, il y a un petit, j'ai mis deux palettes, hein, des palettes désolantes et tout. Donc bon, on verra bien si on les prend. Mais après, toi, il y a plein de concepts de chantiers qu'on pourrait faire. Ça qui est bien. Donc bah après je sais pas, tu vois, genre bah je vais montrer, il y a plusieurs chantiers, il y a un lac, genre on peut créer un lac, mais cette fois-ci on va essayer de faire un truc vraiment bien parce que j'avais déjà fait un truc en création de lac ou quoi, et c'était pas foufou. Et en plus on a parlé de Innovagri, je suis allé du coup à Innovagri, donc Innovagri c'est un salon agricole, c'était à Onde à côté de Toulouse, et c'était vraiment trop bien de tous vous rencontrer, enfin je suis désolé parce qu'il y en a plein qui, mais que j'ai pas pu voir parce que je suis parti partout en plus, donc voilà, mais c'était vraiment bien, il y avait plein de trucs sympas, donc voilà, je vous ai pas vlogué, mais c'était quand même cool. Alors on va se mettre sur le côté. On va essayer de mettre des petits plots, je sais pas trop comment on va les mettre, mais on va essayer de les mettre en mode. Attention, on banalise le chantier. Par contre, du coup. Où là je suis là devant. Elle est pleine ? Ok. Ouais, elle est pleine. Bah, du coup, les plots, je suis con, mais tu les vois pas. Donc, bah, je vais aller la vider alors. Attends, je vais aller vider la benne. Et moi, je vais faire quoi ? Tu m'as dit que le gravier, je crois ? Alors, bah, du coup, tu vas chercher du gravier. Tu sais, tu. Dans le. Bah, derrière le truc là, tu vas vider le gravier. Et enfin, tu ramènes du gravier. Et après, je serai revenu donc. Le gravier, c'est où ? Je pense que c'est le tas qui est juste. Bah c'est le tas où c'est qu'à la benne, logiquement. Donc, normalement, ça devrait le faire. Voili, voilou. Alors, on va essayer de faire ça, les amis. J'espère que ça va pas. Enfin, en fait, j'ai pris une zone au pif. Enfin, pas au pif, mais j'ai pris une zone où c'est qu'on pourrait essayer de vider la terre. Pourquoi il y a un arbre rouge. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait. Pourquoi il y a un arbre rouge, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas, j'ai vu tout à l'heure aussi. Et donc là, faut passer où? Parce que là, route barrée. Ah merde, route barrée. Mais moi, je passe en fait. Parce que c'était prévu que je passe ici. Bon, on passe ici. Voilà. Alors, du coup, il y a des chantiers avec des lacs, des chantiers avec des rails, chantiers souterrains. Là, on a un chantier où c'est qu'on doit. Bah, c'est des graviers qu'il y a du coup là-dessus. Et logiquement, je pense ce qui serait bien à faire, ça serait. Bon, j'ai déjà fait une vidéo comme ça, mais ça serait d'enlever les graviers, prendre du goudron, et après le goudron, l'étaler et vraiment faire un truc propre. Donc, ce serait sympa de faire ça, je pense. Donc voilà. Alors là, je peux passer hors du centre-ville, mais j'ai passé dans le centre-ville pour vous montrer un peu comment c'est. En vrai, regardez tout ce qu'il y a, c'est super. En vrai, c'est bien fait. Hein. Et les routes, les animations, les gens. Il y a un chantier juste derrière là avec de la terre dans une maison. Merde. Si vous aimez, on essaiera d'en. Bah, si justement, si ça vous fait. Si vous kiffez les vidéos comme ça, bah, j'essaierai d'en faire d'autres. Mais bon, après, bah voilà, c'est simplement, j'essaierai d'en faire d'autres parce que moi j'aime bien faire du TP. Je trouve ça super cool de changer un petit peu d'agricole. Et regardez, il y a tout. Il y a plein de bâtiments, de la mairie. Enfin, c'est vraiment bien. Donc voilà. Alors, logiquement, c'est ici là. C'est juste derrière le château d'eau là, juste derrière. On doit vider ça. Et là, c'est ici. Regardez. En fait, là, il y a le pont. Et sous le pont, what? Oh, j'avais pas vu ça. Ça clignote. Oh, ça clignote. Ben, je sais pas, je passe sur le pont et ça clignote. Je sais pas pourquoi. Attends, il y a écrit quoi sur le pont? Ben, je sais pas, qu'est-ce que c'est. Est-ce que vous, dans le chat, enfin, dans les commentaires de la vidéo, dites-moi pourquoi ça clignote quand je suis passé. Genre, est-ce que, genre, il y a une seule personne qui passe? Je sais pas. Bon, bah, ben, dites-moi dans les commentaires. Alors là, c'est ici. Donc, on va vider ça, ce petit tas ici. Ou la ventre, ouais, quand je freine, le tracteur il glisse. Allez, petit contrôle I, on ouvre ça, on ouvre la porte, vide-toi. Elle se lève, ok, bon, parfait, elle se lève. Voili, voilou. Et du coup, est-ce qu'il y a besoin que je ramène la benne? Je ne sais pas. Je pense pas, parce qu'au final. Bah si, parce qu'il y aurait du gravier encore à faire. Donc je vais la ramener. Je vais la ramener alors. Je vais juste aller, vide-toi. Là, du coup, je me la terre ici, on verra ce qu'on en fait. Je pense qu'on va rien en faire. Attends, le temps que ça se vide, je vais vous montrer du coup les endroits de la map vraiment bien. Donc là, on a ce chantier là, les amis, qui est vraiment bien. Donc alors, en fait, tu dois enlever, il y a des tas de graviers par terre. Et tu dois enlever tous les graviers. Ici, t'as de la terre et tout. Donc là, il y a de la terre du coup sur les rails. Donc en gros, on doit enlever la terre ici. Regardez ça, c'est trop beau. Hein. Elle est vraiment hyper bien faite. Ici, alors moi, j'aurais voulu faire un deuxième chantier. Ce serait celui-là. Ben, en fait, ici, on a une maison en construction. On a de la terre ici. On pourrait essayer d'enlever la terre. Et pareil, tu vois, tu fais une sorte d'allée en gravier. Et puis, ouais, du coup, t'amènes une voiture. Enfin, je sais pas, un truc vraiment bien. Par contre, Zero, il y a un peu d'écho. Ici, on a une sorte de gare, je crois. Oh, c'est la gare, donc voilà, pareil. Bon, c'est pas un chantier, mais c'est des décos qui sont vraiment bien. Donc là, un chantier avec, pareil, tu dois enlever la terre dessous pour ressortir le bordel. Enfin, ressortir les trucs. Et là, regardez, mais tout ça, regardez ça. On a un complexe sportif. On a, je crois, on a un brico-dépôt. Il y a vraiment plein de trucs. Là, on arrive dans le centre-ville avec, par un autre chantier. Donc là, tu dois enlever la terre. Là, t'as de la terre, donc tu dois enlever la terre. Et après, je crois qu'en mode, on a des bouts comme ça, donc ce qui serait bien à faire, donc c'est pas cela, mais on en a en mode, ce serait de les charger dans une remorque, enlever la terre là,
Et du coup, mettre après les canalisations, ça peut être sympa de faire ça dans la vidéo. Serveur, je ramène mon puits de terre ou pas? Vas-y, en vrai, ouais, si tu veux. Je présente juste vite fait ce qu'il y a. Après, il y a encore d'autres chantiers, mais je ne sais pas tout montrer. Donc voilà, ouais, si vous aimez, vous me direz ça en commentaire et on essaiera de faire ça. T'as chargé ou pas la benne du coup de. Ouais, c'est fait, okay. aller au chantier déjà. Vas-y, mais là, j'arrive. Du coup, j'ai pas mis mes plots, mais c'est pas grave. Allez, hop, merde. Voilà. Alors, du coup, on arrive, les amis. Je vais essayer de. Tu l'as mis où? Tu l'as mis. Allô, attends, je vais juste reprendre la chargeuse pour essayer de bien étaler correctement. Enfin, au moins enlever pour l'aller. Parce que la terre derrière, bon, la terre est derrière, donc c'est pas très grave. Et juste enlever la terre ici, là. Juste la terre qui reste là, parce que sinon ça fait un peu con. Ok, donc les amis, on est de retour. On a avancé un petit peu hors vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est que j'ai mis quelques petits plots. Je vais terminer de les mettre par terre. Là, donc, on a tout nettoyé. Il n'y a plus de terre. Bon, la partie là-bas, on s'en servira. Enfin, on va pas y toucher. Donc, cette partie-là, donc, du coup, Zero, tu peux vider donc, déjà le godet qui est rempli un petit peu. Je vais juste passer les quelques petits plots qui restent. Et ensuite, on va commencer à mettre du gravier. J'espère que ça va le faire, les amis. On va essayer de l'étaler comme on peut. J'espère que ça a bien marché, que ça va pas faire n'importe quoi. Donc, là, je mets juste quelques petits plots pour banaliser la petite zone. Voilà. J'espère que c'est la fin du chantier. Bon, voilà, on banalise que maintenant. Et voilà, non, merde, on va juste remettre ça droit, tombe pas par terre s'il te plaît. Voilà. Attends, il y a un petit problème, okay. Je crois bon, ouais, la benne est pleine. La benne est pleine du coup. Ah mais ouais, non, il y a un problème avec le gravier et tout, il y en avait trop. On a créé du gravier, c'est magnifique, trop bien. Attends, ce que je fais c'est pas, que c'est pas, vide un petit peu par terre, moi je vais juste avancer. Mais non mais la terre je vais la mettre là-bas sur l'autre chantier, au pif. Ah bah si tu veux vider, vas-y, fais ta vie, va vider si tu veux, vide de godet. Alors on va essayer de reculer du coup la benne, donc avec le petit Valtra. En vrai il est grave stylé, avec la masse orange et tout, je trouve ça stylé. On va essayer de vider ça les amis, j'espère que ça a marché. Et en vrai là, je viens de penser à un truc, ce qu'on aurait pu faire les amis, ce qui serait cool je pense, qui aurait été... Moi j'aurais voulu faire une sorte de petite série TP sur cette map, vraiment avec genre une histoire. Genre par exemple on commence, on enlève la terre, deuxième épisode, ce qu'on fait c'est qu'on on laboure ici, du coup après on pourra semer de l'herbe. Et après vraiment on aménage vraiment tout, on met une piscine, une balançoire et tout. Et après on met une... Enfin vraiment genre en vrai tu crées tout avec du TP. Je pense que ça aurait été sympa de faire ça, bon on n'a pas prévu de faire ça. Mais si jamais ça vous plaît, on pourrait essayer d'y penser, genre une petite série de vidéos de 4, 5, 6 vidéos, 6 vidéos TP et je pense que ça pourrait être sympa de faire ça. Alors je vais pas faire d'état, je vais vider en avançant et après on utilisera du coup le repousta pour modifier ce qui... Oula d'accord, c'est en train de vider par terre. Ok. Donc du coup c'est une sorte de petite allée pour ranger les voitures. Merde, il y a le camion qui gêne. Attends, on est bon. Au pire après il faudra étaler un petit peu. En vrai ça va mais avec l'allée. Regarde Zero. J'arrive, attends j'arrive. Ah vous allez vider l'autre bout du truc quoi. T'es allé où? Non, attends, je suis là, attends. Voilà, ce que je t'ai dit. Ah, oui, d'accord, t'as donné qu'il s'est coincé à la barrière. Voilà. Attends. Ouais, du coup, Lucien. Attends. Mais en fait, l'allée, comment t'as fait? Ouais, voilà, fallait faire comme ça de base, en fait. Déjà, ouais, faut faire comme ça. Allez, allez, vas-y. Allez. Là, on est comme ça, on avance. Et après, il faudra étaler. Par contre, je vais taper dans le camion. Là, je pense, juste si tu remarches dessus, ça l'étale. Donc. Après, il faudrait traîner de ce côté comme ça. T'arriveras là et tu pousseras là pour vraiment que t'aies. Attends, ouais. Attends, est-ce que tu peux essayer de vider un petit peu? Genre, dans les trous, tu vides en avançant. Ouais. Moi, je vais chercher le petit repoustal avec la petite machine poste. En vrai, c'est grave bien. Vraiment, je le trouve super stylé ce truc. Alors, juste, il y a un bug, logiquement, on sait que ça accroche là. Là, avec, en gros, en mode route avec les roues accrochées, on peut l'accrocher à l'arrière du coup sur un attelage. Sauf que ça bug, ça s'accroche à 6 mètres de loin. Enfin, genre, c'est bizarre. Donc voilà, c'est bizarre, donc j'ai dû la laisser accrocher sur le tracteur. En vrai, mec, ça commence à être bon. Ah, mais attends, on n'a pas des lames, on a des lames en plus sur la pelle mécanique. Si on les baisse, après, il y a moyen que. Bon, vas-y, fais étal. Il y a plus de gravier, je vais aller chercher un peu pour combler les trous ou pas Tu peux. Ah non, mais non, c'est on étale. En vrai, attends, on va étaler, mais je vais étaler de l'autre côté. Parce que tu vois qu'il y a un petit tas là, il y a un petit tas derrière, donc on va essayer d'étaler. Même en marchant dessus, en vrai, il y a moyen. Ah oui, attends, en plus, c'est qu'il y a un gros tas là. Attends, si je le pousse, si, il y en a assez, hein, Zero. Je pense qu'il y en a largement assez. T'es sûr? Ouais, je pense que oui. On va juste pousser le tas là. Hop, on a juste débordé un peu sur les. L'autre côté. Attends, bon, là, faut étaler et non pas le pousser. Donc, faut juste lever légèrement. Attends, en vrai, que ça marche en vrai. Ah, je suis trop content. Attends, on est bon ou pas là? Ah, pas trop, un petit peu. Je vais en prendre une autre belle. Vas-y, vas-y. En vrai, mec, je suis content. Bon, l'allée est pas hyper belle non plus, mais en gros, c'est pour ranger des voitures et tout, donc vous avez compris. Et après, rien qu'en marchant dessus, ça re-étale en fait. Donc en vrai, regardez, l'allée est pas si dégueulasse que ça. Et en vrai, bon, c'est pour en gros garer ta voiture dans une allée, parce qu'à la base, c'est une maison qui était abandonnée et tout, et du coup, ils veulent la refaire et tout, donc voilà, vous avez compris. Avec un petit concept bien sympa. Mais vraiment, si ça vous plaît, vous me direz, et puis on essaiera de faire.
Peut-être pas une. En vrai, j'aurais bien voulu faire des séries de vidéos, mais bon, il n'y a pas non plus 36 000 chantiers. Mais après, si vous faites du modding, vous êtes modeur et tout, vous voulez, bah, pourquoi pas, vous prêter des mods et tout, bah, n'hésitez pas, moi je suis trop content de faire du TP. Mais après, ça serait même. Pour vous, ça peut être sympa de vous montrer des mods. Des mods et tout, des activités que j'ai jamais fait. Donc voilà, bon, bah, en vrai, on est bon, hein. L'allée est pas si moche que ça. Il y a quelques petits trous, mais avec ça s'étalera avec le temps, voilà, quand le mec garera sa voiture. Ça s'étalera, ça déborde un petit peu sur le côté, mais ça va en vrai. Du coup, t'es où, Zéro là? Bah je charge la benne de gravier, j'arrive tout simplement. Ah bah t'es parti. Ouais, bah, tu peux, je sais pas si ça va le faire. Je vais juste tester, je vais juste prendre l'appel, la petite. Il y en a assez là ? Je crois qu'il y en a assez, hein, ça suffit je pense. Mais après, si vous voulez, ce qu'on fera c'est qu'il y a plusieurs chantiers à faire. Moi on pourrait vider un lac, il y a le chantier souterrain, mais on pourrait même retravailler sur ce chantier. Si vous êtes chaud, je demande à les 4000 likes, je sais pas si c'est beaucoup 4000 likes. Mais la dernière fois vous avez tellement kiffé que vous avez fait 4000 likes sans problème en fait. Donc attends, je vais rechoper, par contre il y en a un petit peu par terre là. Je vais rechoper la terre qui est là. Bon, je vois pas bien, mais il y a un petit peu de terre ici. Allez, remplis-toi le godet. Est-ce que ça en prend? Ouais, ça prend du gravier, parfait. Attends, je vais juste reculer un petit peu. Comme ça, je sais qu'on recule pas, mais vous avez compris. Et je vais le reposer ici. Bon, c'est pas hyper hyper beau, mais vous avez compris le délire. Donc voilà. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter. Du coup, Zéro, pas la peine d'aller chercher du gravier. Hein. On a quand même fait ce qu'on voulait. Il en manque un petit peu, en fait, juste un petit peu là. Il en manque devant, mais après, ça s'étalera ou on en remettra d'autres. Donc si vous voulez, si vous kiffez, ce qu'on fera, c'est qu'au prochain épisode, on enlèvera du coup toute la terre ici. On essaiera du coup de passer un coup de décompacteur pour décompacter la terre. Comme ça, on pourra semer de l'herbe. Et avec l'herbe, une fois qu'elle aura poussé, on pourra décorer, apporter, je sais pas moi, des balançoires et tout. J'ai essayé de. En fait, j'aimerais bien charger genre des objets sur un camion. Elle est livrée. Genre tu mets une balançoire qui est remplaçable, tu qu'on puisse la porter sur un camion et la décharger avec un télescopique et tout dans un terrain. Ça peut vraiment être trop bien. Donc voilà, du coup merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez bien sûr, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Pratiquement tous les modes sont sur mon site hein, starvio.fr, n'hésitez pas. Et puis voilà, c'était Starvio Zero, à la prochaine, allez, ciao tout le monde. Ciao tout le monde.